Bonjour à tous. Alors, ça va être une balle un peu spéciale, c'est une balle surprise. Voilà, alors j'ai Stéphanie de Fanny Scrap & Co. qui devait m'envoyer donc un colis pour des moules. Elle devait m'envoyer des moules, voilà, elle me l'avait dit. Puis donc j'ai reçu ce carton, rayon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est gros pour des moules? C'est bizarre. Bon, j'ai la tête bien protégée. Là, j'ai commencé à ouvrir. Alors, je l'ai ouvert. J'ai juste fait ça et là j'ai fait. Il n'y a pas que des moules. Donc je sais déjà, vu la forme. Alors le papier déjà, j'ai couvert comme ça. Le papier, j'ai reconnu. C'est la collection Carousel, Maggie Homes. C'est sûr. Du crepe paper. Et la forme, j'ai dit ça, c'est un corset. J'en suis sûre. Du coup, je vais l'ouvrir en vidéo. Parce que voilà. Donc du coup, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai juste ouvert comme ça et quand j'ai vu que c'était ça. J'ai dit, c'est pas des moules. Ou en tout cas, pas que. Donc, alors, par contre, j'ai dû l'ouvrir à l'envers. Je vais essayer de tout sortir sans faire de bêtises. Voilà. Et comme ça, je vais l'ouvrir avec vous. Oh, surprise. Oh là 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 là. Eh oui. J'en étais sûre. La cachotière. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Bon, et dedans, j'ai mes moules. Voilà. Voilà. Il est super joli. Alors, sur sa chaîne, Fanny Scrap & Co, elle a fait le tuto. Regardez-moi ça. C'est pas beau? J'adore. Alors maintenant, je l'ai en vrai. Donc pour le refaire, ça va être top. Donc on va regarder ce qu'elle m'a mis dedans quand même. Alors, en plus, elle m'a super bien emballé et tout. Hein. Elle est trop gentille. Oh là là, elle m'a tout emballé en petit sachet. Alors, je vous remonte le bustier. Oh, il est trop beau. J'adore. Et en plus, elle a utilisé un papier que j'adore. C'est super joli. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est trop gentil. Et du coup, je vais vous montrer les moules. Waouh, ils sont beaux, hein. Je sais pas si vous allez bien voir avec le papier. Là, c'est des camées. J'adore les camées. Alors moi, j'en ai commandé pour faire. J'en ai commandé sur AliExpress, mais je sais pas. Mes commandes, elles veulent pas arriver. Elles ont plus d'un mois. Je leur ai envoyé un message, mais ils disent d'attendre encore un mois, qu'il y a du retard. Voilà, j'ai un cadre. Ils sont super jolis, hein. Cadre. Alors moi j'en ai pas acheté beaucoup parce que pour l'instant je m'en sers pas mais je voudrais essayer. Marie qui a fait des trucs super, bah Stéphanie aussi d'ailleurs. Du coup je voudrais tenter. Oh les ciseaux là j'adore. Oh, ils sont trop beaux. Moi j'ai commandé des camées et des cadres. Super joli hein. Celui-là, il est beau aussi, ce cadre-là, il est tout fin. Super joli. Je l'ai mis à l'envers. Bah voilà. J'ai été gâtée, hein. En plus, elle m'a mis ça dans des beaux petits sachets et tout, comme si c'était un échange. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'échange du tout, hein. C'est juste qu'elle est super gentille. Voilà, je vous remontre. Bah voilà, petite vidéo courte. Mais je pouvais pas ne pas l'ouvrir en vidéo quand même. C'est tellement joli, il y a du boulot là. C'est super sympa. C'est bien parce que je le vois, je vais pouvoir le reproduire. Je vais copier. C'est super joli. J'adore. Bah écoute Stéphanie, merci beaucoup.
Puis n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, Fanny Scrapenko. Voilà. Allez, merci, bonne journée.